camarades, toutes et à tous. On se retrouve pour la suite de cette magnifique aventure sur Mountain Blade Bannerlord. Nous étions perdus, voilà, perdus, on savait pas trop quoi faire, où faire, pourquoi faire, que faire. Je perds 41 gold par jour, donc il faut, hein, il faut absolument que je gagne de l'argent. Est-ce que par exemple, allez là c'est intéressant, est-ce qu'il y a des choses à faire ici par exemple? Les terres autour de Zestea sont possédées pour la plupart par Pharon, un archon de l'Empire méridional. Ok, lancer une action hostile, recruter des troupes, acheter des produits, attendre un moment ici. Si on fait recruter des troupes par exemple, est-ce qu'ils en proposent? Ils en proposent. Potentiellement, je pourrais en recruter un petit peu. 22 sur 26. Ah, c'est mon quota de... C'est mon quota, donc je peux juste en rajouter une. On va faire partie. Par contre, tu peux pointer ta souris sur les deux messages à droite. Oui. Alors, on a Elroyas a perdu le trait généreux et Elroyas a perdu le trait honnête. Aïe. Donc, pas cool. Pas cool, pas cool. On a perdu l'honnêteté. C'est pas la folie. Comment on installe la version 2.02 de l'avènement du roi sorcier? J'arrive pas à l'installer. Bah écoute, suffit de suivre normalement le tutoriel. Tu as 2-3 patchs à installer. Normalement, ça passe crème. Sinon, si vraiment tu n'y arrives pas, tu fais point d'exclamation Discord et tu vas sur le support et il y a quelqu'un qui t'aidera. Ah mince, t'es ni généreux ni honnête. Ah, c'est triste quand même d'en arriver là, quoi. Ah, attendez, là je vais avancer. On va aller ici à Tarkoutis. Je sais pas s'il y a des choses à faire. On verra bien. Ah, vous savez, hein, moi, le jeu, hein, j'y vais petit à petit. Un jour, on sera meilleur, on comprendra ce qu'il faudra. Moi, je voudrais faire... En fait, je veux faire des quêtes. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de quête ici. Tu peux juste voilà, te balader. Donc ça m'intéresse pas vraiment en fait. Je l'ai réinstallé les jeux car nouveau PC. Oh, oh merci beaucoup mon cher Aeldras. Si quelqu'un peut mettre un SO pour cette personne, enfin cet être vivant, cet être de la terre du milieu tout simplement. Bonjour à toi, bienvenue sur ce live. Alors je sais pas si t'es un joueur de Mountain Blade et que tu m'as raid ou si t'es un autre joueur d'une autre région, je ne sais pas sur quoi tu étais, donc présente-toi et stylé, n'hésite pas. Rends-toi dans les villes pour recevoir des quêtes. Mais elles sont où les villes? Ah, elles sont là-bas. Ok, ok, donc là-bas j'en vois une. Toi là ils étaient 16, mais c'était pas des brigands eux. Donc si je commence à attaquer et déclarer la guerre aux gens... Ah toi là par exemple il y a une quête. S'il y a un point d'exclamation c'est qu'il doit y avoir une quête. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Donc on va aller à Neocoris et on va voir ce qu'il y a. Bah regarde la map aussi, c'est mort, on va découvrir l'environnement autour de chez nous, on va faire de l'exploration. Alors là il y a une quête, on peut pas directement demander la quête? Non, ok, bon on va aller là, on va se promener. On va se promener, on va aller voir ce qui se passe. Ok, c'était le cas de le dire, haha, je joue à Mountain Blade, mais j'étais sur Crusader Kings 3, mais je suis surtout un viewer de l'ombre, je suis un très grand fan de Tolkien. Ah... Les esprits se rencontrent. Ah, tout le monde est fan de Tolkien, évidemment, la base. Ah, attendez, je cherche la quête. Ah oui, attendez, c'est quoi la touche déjà pour voir les... Shift, non, L, C. Oh, j'appuie sur une mauvaise touche. Pour chercher les quêtes, Alt, merci. Heureusement que j'ai PGM avec moi, parce que sinon, on n'irait pas loin. Oula, je me prends dans les trucs. On va faire les quêtes, voilà. Le but, c'est maintenant de faire des quêtes, gagner de l'argent, augmenter mon armée. Ah, attendez, on va descendre de la monture, si j'y arrive, c'est j'imagine, non? Non? C'est quoi? J'avais trouvé la touche tout à l'heure. Attends, Dark va me le dire dans une seconde, comment descendre de la monture? Pointe la tête vers le sol. Ah, effectivement, oh là là. Mais en fait, moi je redécouvre le jeu à chaque fois. Quoi? Mais c'est là-dedans, il était là-dedans le monsieur, non? C'est pas là-dedans? Ah c'est, non, c'est lui en fait. Bon, eh bien, bonne journée à vous. Alors, qui êtes-vous? Je suis Aloria, et qui êtes-vous? Mon nom est l'un, puis-je vous demander le nom de votre? On me connaît sous le nom de l'un, souvenez-vous-en, vous entendrez parler au moment. Bon, voilà. Je m'appelle Vasilops, j'ai passé toute ma vie ici à travailler la terre avec mes semblables. Beaucoup de gens de Neocoris, les fermiers et les artisans comme moi préfèrent que je parle en leur nom. Je ne vous connais pas, mais vous m'avez l'air d'un homme qui deviendra quelqu'un d'important un jour. On m'a dit que vous avez besoin d'aide. Nous avons des problèmes, la maladie nous a frappés le mois dernier.
Que les cieux soient loués, nous avons eu que peu de morts, mais beaucoup d'entre nous étaient affaiblis et n'ont pas pu travailler. Maintenant, nous avons besoin d'engager des travailleurs dans les colonies voisines pour rattraper notre retard. Nous n'avons pas d'outils à leur fournir. Nous sommes pressés. Pourriez-vous trouver ces outils pour nous ? Nous avons besoin d'un outil dans 30 jours. Notre village n'a pas une grande trésorerie, c'est pourquoi nous pourrions faire une offre de cheval de combat de Canterion. Qu'en dites-vous ? Peut-être que mes hommes peuvent se charger de cela pour vous. Ok. Si c'est le cas, vous aurez besoin d'un homme ayant une bonne compréhension du commerce. Vous aurez également besoin d'au moins 3 hommes vaillants pour protéger les marchandises sur la route du marché. Votre compagnon aura également besoin de 140 pièces environ pour acheter les outils. Je pense pouvoir gérer cela moi-même. Mes excuses, mais je ne peux pas faire pour l'instant. Bon, voilà, je vais le faire. Quête activée. Excellent, mais s'il vous plaît, faites vite. Nous avons besoin de mettre nos recrues au travail immédiatement. Bonne chance. Ok, bah écoutez, on va faire ça. Prends la quête, mais il va falloir aller dans les villes pour chercher les outils. Ok, ok, bah on va faire ça, on va faire ça. De toute façon, il y a une ville qui est juste au-dessus normalement, donc ça devrait le faire, non? Donc là, si on fait partir, là, on va aller à Jamaris. Et normalement, c'est une ville, donc ça devrait le faire. 30 jours. En vrai, 30 jours, c'est large, non? Quoique, en vrai, ça peut être rapide comme lent, quoi. Salut, le Seigneur D, comme ça. Et j'aime pas les missions avec un timer. Bah ouais, mais bon, là, il a besoin d'outils pour que les gens y travaillent. Donc déjà, 30 jours, c'est-à-dire que pendant 30 jours, ils vont rien faire. Oui, mais ça veut pas forcément dire que tu vas trouver les outils du premier coup. Ah, c'était ça. Ah, il y a des brigands, là. Bon, on va pas s'en occuper. On va aller d'abord dans la ville. Et tu penses que ça se trouve dans le commerce ou pas? Les outils, ça fait partie du commerce. Ok, donc on va aller dans le commerce. Et du coup, là, tu me dis qu'il faut que je trouve des outils. Comment je peux trouver des outils? Outils. Hoche, pièche, pourche, pot. Jure, un BG qui joue au meilleur jeu. Bah écoute, mon cher Sauteur, depuis que Captain Fracas m'a parlé du Seigneur Zanou sur ce jeu, bah, il serait un peu temps que je m'y mette, quoi. Du coup, faut que tu mettes Sauteur, parce que je suis une giga merde, voilà. Ah, c'est bon, j'ai trouvé les outils. Donc il m'a dit qu'il fallait que j'en achète combien? Un outil, j'ai compris, non? Ou il en faut 30? Parce que si j'en achète... Il en faut qu'un, mais c'est facile en fait. Oh là, mais je suis... C'est la quête la plus facile de la Terre en fait. Allez, on part. Ah mais on fait la quête dans l'ordre. Est-ce qu'on fait les brigands en même temps? Bah si, j'ai envie de faire les brigands. On va perdre, mais on fait les brigands. Allez, cours. Mais comment ça les brigands, ils vont plus vite que moi là? Allez, ils vont s'arrêter un jour. Allez, c'est bon? Oui. Allez, rendez-vous. Attaquez. Ne fais pas les bandits. Mais t'inquiète, je suis un expert en bandits. Oula, c'est nouveau ça. Didacticiel, si vous avez au moins 20 troupes, vous aurez l'action de décider d'une stratégie avant de combattre. Par contre, attention, t'as plus de sous pour payer tes hommes. Ah! Bah on est foutu, voilà, ça y est. Donc là j'ai mis mon commandant, si j'ai bien compris. Ordre de bataille. Alors c'est quoi tout ça? Vous pouvez créer des nouvelles formations pour diviser vos troupes en plus petits groupes et avoir un meilleur contrôle sur elles. Vous pouvez également déterminer quel pourcentage de type de troupes sélectionner, tatati, tatata. Ouais, c'est un peu complexe quand même. C'est les outils, c'est dans les marchandises. Ouais, bah du coup ouais, j'ai vu ça. Alors là on va mettre l'infanterie, écoute. Ah, on peut faire un autre bataillon ici. Ça, c'est quoi? Ok, donc là, c'est des archers, mais j'en ai pas. Cavalerie, j'en ai pas. De toute façon, j'ai que des hommes. Ça sert à quoi de faire ce que je fais, là? Si je veux faire plusieurs bataillons, c'est ça? Si, je peux pas... Attends, comment les place? Je sais pas. Réinitialiser le déploiement. Si je clique sur eux. Ok, donc là, je les ai mis ici. Imaginons. Ensuite, eux. Je les ai mis là. Je les ai mis là. Bon, ça change pas grand chose en vrai. Parce que forcément. Allez, on va tenter. Ah oui, il faut que j'attaque. Hop. Allez, on va les engager, c'est parti. On va les boudiller. Allez, non, j'ai raté. C'est pas grave. En vrai, là, je les aggro. Je les aggro, regardez. Regardez la strat. Je les aggro pendant que les autres, ils les défoncent. Est-ce que c'est pas la meilleure strat? Parce que du coup, là en vrai ils vont sur moi, mais du coup ils vont se faire massacrer. Voilà, genre j'ai perdu peut-être un homme. Et voilà, ils sont tous morts. Et c'est la victoire. Ah vous savez, hein, je suis un grand stratège.
J'ai fait main de guerre, main de victoire. On a pas gagné là ? Bataille remportée. Oui, c'est bon. Bon, on a perdu un homme, je crois. On a quand même perdu un homme. On va le récupérer au pire. Allez, hop. Ah, ça c'est fait. Terminé. Vous laissez du butin. Ah oui, oui, faut que je prenne le butin, bien sûr. Bien sûr, on pourra le revendre. On pourra le revendre. C'est vrai que j'ai pas revendu, j'aurais dû un homme. Ah, c'est un homme blessé, c'est... D'accord, c'est même pas un mort. Bon, facile en fait. Ah, attendez. C'est quoi le truc rouge là ? Dites-moi, dites-moi. Alors attendez, on va retourner à Neocoris et on va donner tout ça. En même temps, c'est la première fois qu'il se bat avec ses hommes. Avec des hommes. Bah écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Première fois que t'as aucun tué. C'est de la désorganisation suite à la bataille. C'est temporaire. Ok, ok. Mais du coup, ça fait quoi réellement ? La désorganisation, c'est-à-dire que je peux pas genre les replacer si j'ai une nouvelle bataille ? Dans le kill feed, les crânes blancs, c'est les blessés, les crânes rouges, c'est des morts. Ok, ok. Bah, au final, je m'en sors bien. En fait, le fait de les avoir aggro, ouais, évidemment, c'est des bots, hein, ils sont un peu bêtes. Je les ai aggro et du coup, ça s'est quand même bien passé. Attends, j'essaie de redescendre. Non, mais pardon, monsieur. Attendez. Voilà, faut vraiment regarder le sol. Hein. Allez, je lui parle. Qui êtes-vous ? Bah, c'est moi. Attends, pourquoi tu me redemandes ? Tu me connais pas ? Ah, c'est pas le même. Attendez, il est où ? Il est où le monsieur ? Ah, il est là-bas. Je pensais que c'était un autre. Attendez, il est où ? Ah, il est là. Voilà, il est ici le monsieur. Donc ils sont pas au même endroit. Hein. Ça faisait longtemps. À propos de cette tâche que vous m'avez confiée. Hop. Des nouvelles concernant nos outils ? Oui, j'ai apporté vos outils. Négoli a besoin d'outils alors. Merci monsieur, voilà ce que nous avons promis. Wouah, mais c'est trop bien. Alors est-ce qu'il y a une autre quête du coup ? Non ? D'accord, hein. Je peux partir. Oh, et c'est ma première mission accomplie sans problème. Et ça c'est pas beau quand même. Enfin c'est beau plutôt. Salut, ça va bien et toi ? Salut Colston. Ah, nous avons un membre des combattants qui est sur place. Bon, ici, le skill par rapport à Captain Fracas c'est de 0. Hein, Captain Fracas c'est bien sûr à 100%, moi je suis à 0. Voilà, je découvre. Je suis en découverte du jeu, donc si je suis mauvais, c'est normal. Moi, je cherche les quêtes. Moi, pour l'instant, mon objectif, c'est vraiment d'essayer d'augmenter un peu mes quêtes. Alors, je vois pas de quêtes, là, proprement parler. Ou sinon, je vais retourner à la ville. À la ville, normalement, il devrait y avoir des quêtes. Peut-être que les quêtes apparaissent quand tu approches de la ville. Ah, tu vois, par exemple, là je l'avais pas vu sur la carte. Et vu que je suis pas loin de la carte, je pense que c'est apparu. Vas-y, on va aller à Igor K. Et on va aller découvrir que me vaut cet honneur d'aller dans cette belle... de beau village. On va découvrir ça. T'as gagné un meilleur cheval, je crois. Eh ben écoute, parfait. Faut peut-être que je l'équipe, non ? C'est vrai que j'ai pas regardé trop... Attendez, oh, il y a deux quêtes ici. On va pouvoir faire deux choses. En tout cas, les plus intéressantes. Tu trouveras les quêtes surtout en ville. Ok, ok. Bon, pour l'instant, je fais les petits villages. Comme ça me permet de tranquillement aller à mon rythme. Non, mais là, pour une fois qu'on fait des choses intéressantes. Parce que bon, faire des brigands pendant trois épisodes. Qui êtes-vous ? Bon, on va pas se présenter à chaque fois. Je suis Ucasios. Je possède des terres ici. Et je parle au nom de nombreux villageois. J'ai l'impression qu'ils disaient ça à chaque fois. Hein. Je ne pense pas que vous puissiez m'aider, je crois que vous avez d'autres obligations similaires qui pourraient interférer. Comment ça ? On m'a dit que vous aviez besoin d'aide. Hein ? Pourquoi je peux pas faire ça ? Attends, je ne pense pas que vous puissiez m'aider, je crois que vous avez d'autres obligations similaires qui pourraient interférer. Ok, donc je peux pas. Entraîner des troupes Ucarios d'Aéroglas. Ah. Mais oui, mais explorer les villages, c'est cool. Ouais, c'est cool, mais du coup, là, je peux pas faire la quête. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que j'ai pas ce qu'il faut. Bon, bah, là, je passe vraiment au pire endroit, quoi. Mais quelle idée de mettre des vignes ici, là, pour aller là-bas. T'as une quête similaire, on dirait. Ah ouais ? C'est vrai que j'ai pas regardé si j'avais des quêtes. Aucun problème, je connais bien le multi, mais le solo, je suis une bille aussi. Bah moi j'ai pas fait beaucoup, j'ai juste fait un événement... Bah en fait là, si j'avais joué une fois avec Totor je crois en multi, hein. On avait joué ensemble au tout début hein, quand le jeu était sorti. Après j'avais un peu abandonné, et j'avais rejoué récemment là.
Alors, attendez, on va descendre. Ok. Dommage qu'on puisse pas descendre en mode YOLO. Bon, est-ce que lui va pouvoir proposer quelque chose? Je suis Tinops. Ok, ravi de vous rencontrer. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Certaines familles du village ont besoin de gagner un peu d'argent. Elles ont réuni un troupeau de 10 têtes de bétail à vendre à Horticia. Mais avec le banditisme rampant, elles ne peuvent se permettre d'aller le vendre elles-mêmes. Nous ne sommes ni des marchands, ni de grands propriétaires. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre de l'argent. Dites-moi comment vous aider. Si vous allez dans la direction d'Horticia, vous pourriez peut-être emmener notre troupeau à Ubesos, le forgeron d'argent. Je vous offrirai 1800 pièces si le troupeau arrive à bon port. Y a-t-il un autre moyen ? Vous pouvez assigner un compagnon avec 8 hommes, cela peut marcher aussi, peu importe ce que vous décidez, ça nous conviendra. Je promets que si vous ou vos hommes parvenez à livrer un troupeau sans problème, je vous paierai 1800 pièces. Alors, qu'en dites-vous? Ne vous inquiétez pas, je livrerai personnellement vos 10 têtes de bétail à Ubesos, le forgeron d'argent, à Horticia. Et bah écoutez, on va faire ça, ça a l'air incroyable. Quête activée, on va aller livrer du bétail. Et ça, c'est beau. Allez, on va partir. Faut juste que je regarde où c'est. Donc là, j'ai fait... Là, c'est intéressant, c'est que du coup, il y a deux quêtes. Là, si je regarde dans mes quêtes... Donc on va faire cette quête, évidemment. Et du coup, ça, j'ai pas compris. Des recrues... Ok, ok. Bon, pour l'instant, on va pas le faire. Ça, par contre, on va le faire. On va le faire tout de suite. Et il m'a dit qu'il fallait que je l'envoie... Attends, que je relise. À... Horticia, alors Horticia c'est où? C'est ça la question. Horticia. J'imagine que c'est pas non plus trop loin. En général les quêtes sont pas trop loin. Alors Horticia. Partir. Alors est-ce que Horticia on peut le voir d'ici? Non? Horticia. Quitte le village, tu vas le voir. C'est pointé. Comment ça c'est pointé? J'ai un chemin. Regarde à gauche de ton écran. Ah oui d'accord, ok, je viens de voir. Ah oui d'accord, ok, je vais n'importe où et le truc apparaît. Donc c'est là où je dois aller. Eh ben écoute, allons en direction. On va juste zoomer. Ah ça c'est cool qu'on puisse directement zoomer comme ça là et cliquer à l'endroit. Du coup ça va nous mettre, j'imagine, le chemin le plus rapide. Donc là faut juste que je fasse attention de pas croiser des migrants, j'allais dire des brigands. Mais est-ce qu'on irait pas un peu plus vite si on fait double clic, non? Double clic qui est un peu bizarre. Ah c'est bon, là j'ai fait double clic, donc là il fait nuit, on passe par un pont, ça devrait le passer. J'espère que tu auras assez d'argent pour payer le solde de tes hommes. Là je suis à 166. Pour l'instant ça va, 124. Mais écoute, on va croiser les doigts. Hein. Et en vrai si j'arrive là-bas, je vais me mettre bien. Ok, donc là on arrive ici. Et là, il faut que j'aille me promener dans le village. Entrer dans la forge. Ah en vrai, il m'a parlé d'un forgeron. Donc peut-être aller directement dans la forge. Pourrait me permettre d'aller directement voir le monsieur. Ah non, faut quand même aller dans le village. Ok, alors attendez, on va se promener dans le village. Ça me permettra de découvrir la ville et tout. Parle pas de choses qui fâchent. Qu'est-ce qu'il a dit, colonel? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu parles de... Moi j'attends le mode, hein, Mountain Blade Bannerlord Kingdom of Arda, là. Là, ça peut être sympa, là. Avec des petits skins et tout, avec la carte de la Terre du Milieu, t'imagines? Le jeu ultime. Alors attendez, du coup je retrouve l'endroit où est le monsieur. Ah bah voilà, il est juste là-bas, donc on va y aller. Attends, je t'explique, trop tard. J'espère que tu auras assez d'argent pour payer... Ouais. Tu voulais m'expliquer quoi, Dark? L'autre quête, c'est que tu as des recrues que tu dois faire level up sans trop en perdre, donc juste à affronter des brigands et envoyer des troupes. Ok. Bon, en soi, c'est ce que j'ai fait un peu là. Ok, on va parler à ce monsieur, le forgeron d'argent. Je ne vous connais pas, j'imagine que vous devriez me donner votre nom. Je suis Ubesos, un marchand d'Horticia. Je possède forge d'argent ici. Je connais votre nom, j'ai entendu dire que vous aviez récemment rossé des bandits dans les alentours. Eh bien, j'apprécie que vous ayez sécurisé les routes. Espérons que d'autres malheureux renonceront à une vie de crime et de bassesse. À propos de cette tâche, m'a confié. Hop. Oui, monseigneur, notre ami mutuel, le Tinops Daegoka, nous a fait passer le mot. Il nous a dit d'attendre votre arrivée avec 10 têtes de bétail. Alors, avez-vous tout apporté?
Et voilà. Et bah voilà, 1800 balles. Attends, on se met bien, on se met bien. Alors du coup, j'arrive pas à lire parce qu'il y a le message par-dessus. C'est un peu triste. Merci pour votre aide, Tinops Deikoka. Vous enverrez votre récompense dès que possible. Et bah c'est nickel ça. T'as 25 points de commerce. Alors attends. Le stuff, c'est quoi déjà? C'est MP. Didacticiel. Améliorer les troupes. Les troupes prêtes à améliorer abordent une icône spéciale. Donc un petit... ça c'est comme dans les gradés. Le nombre total de troupes améliorées indique que le bouton surbrillance dans le coin supérieur de votre écran. Donc là j'ai 10 troupes que je peux potentiellement améliorer. Donc ça c'est intéressant. Ah, c'est cool qu'il y ait le didacticiel. Donc là si je fais ça. Didacticiel, améliorer les troupes. Les améliorations de troupes vous coûteront des deniers et de l'extorsion de troupes. Certaines troupes peuvent avoir deux chemins d'amélioration différents et requièrent des éléments tels que des chevaux. Inventaire c'est I. Alors est-ce que ça peut être intéressant d'améliorer ces troupes? C'est ça la question. Nommé soldat d'infanterie impériale, coûte 11. Maintenez contrôle pour le faire à tous. Maintenez mage pour le faire à 5. Nommé archer impérial. Ah, ça peut être sympa ça. Nommé troupe d'emprunt vétéran, coût 11. Oui, c'est toujours intéressant, mais attention à tes finances. Bon, je me dis j'ai 1900, donc ça va. Je peux en améliorer quelques-uns. J'aimerais bien faire quelques archers en vrai. Donc, je vais faire mage. Attends, si je clique... Là, je vais en mettre et voilà, j'en ferai pas plus. J'en ai fait quelques-uns, moi ça me va. Ensuite, je vais aller dans inventaire. Oui, j'applique les changements, ça c'est parfait. Ensuite, ici, il faut que je regarde si je peux pas améliorer un peu mon stuff. Donc là, par exemple, on voit que c'est moins bien, moins bien, moins bien, moins bien. Et du coup... Là, c'est le cheval de combat que j'ai reçu. Donc, normalement, lui, il est meilleur. Il a un poids qui est plus élevé. Donc, il est un petit peu plus lourd. Mais il a l'air d'être bien meilleur dans la plupart des cas. À part les points de vie où il est un peu plus faible. Donc, je propose qu'on le... Ah mince, c'est pour le jeter. Moi, je veux pas le jeter. Moi, je veux le mettre. Non, c'est pas ça que je veux faire. Comment on le met? Équipé. Voilà, c'est bon, je l'ai équipé. Là, ça devrait le faire. Est-ce que je peux pas mettre un truc... ça c'est quoi? Je sais pas. Ça c'est quoi? Les recrues, faut les améliorer pour ta quête. C'est vrai. Car améliorer ses troupes, c'est toujours un coût supplémentaire à gérer. Mais comme t'as une quête qui demande d'améliorer tes troupes, c'est tout bon. Ok. Bah c'est nickel tout ça. Donc là, je vais dans personnage. Et normalement, tu m'as dit que j'avais gagné un truc. Dans commerce, non? Ouais, non, commerce, j'ai pas gagné grand chose. Il faudrait que je vende, je pense. Il faudrait que je vende. Ah, toi, troupe entraînée 2 sur 5. Donc il faut que j'en fasse encore. Encore 3. Clan. Non, groupe. Oui. Ah, c'est pas les groupes d'emprunt plutôt qu'il faut que j'améliore. Voilà. Hop. Il faudra que j'en envoie encore quelques-uns. On va voir s'il n'y a pas une autre quête à faire en ville. Et j'ai cru que c'était commerce. Retourne dans ta feuille de personnage, tu peux améliorer. Alors, attendez, je fais I. Je suis dans personnage. Ça, tu m'as dit que je peux améliorer, c'est ça? Ah oui, c'est quand s'il y a un truc en surbrillance, je peux. Personnel, plus 3 de renommée lorsqu'un tournoi est remporté. Chef de plus 1 de morale. Et ça, c'est quoi? Plus 30% de chance d'avoir des enfants, plus 10% de chance... quotidien de gagner un point de relation avec un notable aléatoire de la colonie. Un moral lorsque vous êtes assiégé. Ça, c'est pas mal, hein, non? Je sais pas. T'es pas obligé d'aller dans la ville pour parler à des gens. Ah oui? Si c'est les troupes d'emprunt... si c'est les troupes d'emprunt, les troupes de quête. Ok, ok, mais du coup, je peux pas... Vas-y, on va prendre celui-là. Et on... Attends, tu m'as dit que je suis pas obligé pour parler aux gens? Pour les quêtes, je suis pas obligé d'aller dans la ville? Je peux directement partir et parler aux gens? Mais du coup, comment je sais comment je peux faire ça? Parce que là, du coup, je vois qu'il y a un truc. En haut à gauche, Elro. En haut à gauche, Elro. En haut. En haut, à droite. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu, il y a les gens, d'accord. Et ça, c'est les personnes, d'accord, incroyable. Parler. Yes.
Oui, puis-je vous aider? Qui êtes-vous? Je m'appelle Diokosos. Certains me connaissent sous le nom de Diokosos le brise-doigt. Il a pas l'air sympa, il a pas une tête de gentil lui. C'est une marque de respect, figurez-vous. Je suis pas très fan. Je ne vous connais pas, j'ai un problème. Et ce problème s'appelle Saella la chèvre. Oh là là, il y a la chèvre. Ça y est, Loken la chèvre est dans le jeu. Ces hommes aiment venir près de nos murs pour dépouiller les joueurs de dés et les amateurs de boissons qui viennent s'amuser sous notre protection. Moi et mes hommes avons hâte de leur donner une leçon. Moi je pense qu'une paire de bras supplémentaires pourrait pas faire de mal. Que voulez-vous que je fasse? Ils ont déjà provoqué quelques effoucherés. Il n'y a pas longtemps et ils s'attendent sans doute des représailles de notre part. Au lieu de cela, nous allons patienter 4 jours. Ils penseront que nous avons lâché l'affaire et après 4 jours... Vos hommes et les miens attaqueront en pleine nuit quand ils s'y attendront le moins. Je vous enverrai un message lorsque le moment viendra. Frappez tous ensemble. En vrai, ça va, hein, ça peut être drôle. Vas-y, je combattrai avec vous. Allez, allez, vas-y, vas-y, j'accepte. Mais du coup, c'est dans 4 jours, si je comprends bien. Parce que si on regarde les quêtes, c'est la bande de rivales. Mais du coup, il faut que j'attende 4 jours. Donc on va attendre. Et on va aller dans une autre ville. Tiens, on va aller par là-bas, ça a l'air d'être intéressant. Une quête de banditisme. Bah écoute, hein, il faut tester. Hein. Là, c'est des bandits, là. C'est des billards. Non, faut que j'aille là. Il y a une quête là. T'as gagné un trait, Elro. Bah merci. Hein. Je suis trop fort. Non mais en vrai la HUD, bon voilà, je pense qu'il faut un temps d'adaptation à force de jouer que je comprendrai tout. Effectivement oui, il n'y a pas besoin d'aller dans le village pour... Hey, so who are you, then? Je suis Elruir, que voulez-vous? On m'a dit que vous avez besoin d'aide. J'ai une mine près d'ici, la semaine dernière nous avons eu un malencontreusement accident de travailleurs péris écrasés. C'est triste évidemment, mais cette mine ne va pas s'exploser toute seule. Le problème c'est que personne ne veut revenir, peut-être que vous trouverez quelques prisonniers. Comment ça trouver des prisonniers, c'est horrible. Il faut que ce soit des criminels, des bandits, pour que je puisse agir en toute légalité. J'en ai besoin d'au moins 9. Mais si vous pouvez m'en amener plus, je les accepterai volontiers. Je suis prêt à payer 10 fois le prix sur le marché pour chacun d'eux. Qu'en dis-tu? En vrai, ça peut être sympa ça. Si vous avez un compagnon qui comprend ce genre de travail, ainsi que 10 hommes, je vous... Oh, bah en vrai... Donc là, il faut que je trouve des bandits en gros. Si je comprends bien. Je trouve des bandits... Je les récupère et je les... Oh bah tiens, pillard. Il y a 6 pillards ici, on va se les faire. Mais ils courent super vite les pillards là. Arrêtez de courir. Oh, bande de pillards. Arrêtez. Ils se fatiguent jamais ces pillards. Hein. Allez. Allez. Hop. Attaquez. Oui, il faut en trouver et en capturer. Mais du coup, si je les tue, ça les capture pas. Donc c'est un peu aléatoire. Parce qu'en vrai c'est chaud hein, d'avoir des prisonniers, non? J'ai l'impression. Alors ça c'est bon. Oh, attendez parce que j'ai du mal à... Ok. Là si je prends eux... Ah oui j'ai des archers maintenant, incroyable. Oublie pas que tu dois aider les gars dans ta ville. Oui mais ça c'est dans 4 jours. Pour faire des prisonniers le mieux c'est de buter les bandits avec une arme contenante masse, ça les assomme, ça les tue pas, les armes... Ok, tu risques de faire plus de morts que d'en assommer. Bah oui, mais je fais comment? Faut y aller en blunt weapon. Oh non, mais attends, vous me parlez allemand là. Vous me parlez pas français, je veux dire. Allez, allemand. Je sais pas, moi. Au pire, on teste. On voit si on arrive à avoir des prisonniers. Je vais essayer de faire quelques prisonniers. Attendez, on va attaquer. Je sais pas si je fais les bons trucs, mais on va dire que oui. Ils sont où les ennemis? Ah, ils sont là. En vrai, là, je les ai affaiblis un peu. Je sais pas du tout si mes archers vont arriver. J'ai l'impression qu'ils sont un peu loin quand même. Il y a une manip pour demander aux troupes de taper quand on trouve un bon courage pour la trouver. Ouais, non, mais déjà que le maniement des armées pour l'instant c'est pas encore ça. Déjà me battre c'est pas ça alors.
Voilà, on a fait un dégât, on est content. Ça va le faire, ça va le faire. Oh là là, mais quelle galère. En même temps, se battre sur un cheval, c'est pas facile, je trouve. Hein. Bon bah ils sont tous morts, non? J'ai l'impression qu'ils sont tous morts. Ah, on a eu deux pillards. Donc c'est bon. Deux prisonniers, c'est parfait. Transférer, attends, transférer les autres prisonniers. Et en vrai, j'ai trois prisonniers. Donc déjà, on est pas mal. Là, on fait terminer. On va juste récupérer les petits trucs. Hop. En vrai, j'en ai eu deux, c'est bien. On va retourner par là-bas parce que du coup, faut que je reste pas loin de la ville quand même. De la ville d'Orticia. C'est là où il y a des choses importantes. Après, les unités toutes nulles que t'as, elles ont des armes qui assomment. Bon voilà, toi, donc pas de problème. Est-ce qu'on irait pas aussi ici pour prendre la quête en passant? Faut juste retenir un peu toutes les quêtes, c'est ça le problème, c'est que. Faut avoir une bonne mémoire quoi. Donc qu'est-ce qu'il veut lui? Je pense pas que vous puissiez. Oh, il a d'autres intérêts. Bah, super, bah on part, allez. N'oublie pas de vendre tes équipements. On peut les vendre ici? Acheter des produits, c'est-à-dire qu'on peut les vendre, j'imagine. On peut pas vendre ici. Ça marche pas comme ça. Parce que si je fais ça par exemple, imaginons. Non, ça marche pas. Valeur. Si on peut vendre ou pas ici? C'est une question. Genre si je remets à gauche là, ça vend ou pas du tout? Faut que j'aille dans les grandes villes pour vendre. Acheter des produits. Tu peux, mais c'est pas forcément rentable dans les villages. Ok, bon bah on va aller dans la ville. On va vendre. On va vendre vite fait. Et il y avait des pillards là. Où je pense à... Ah là on va pouvoir vendre par contre. Commerce. Voilà, commerce, ça doit être plus intéressant je pense. Là on va vendre tout ce qui est pourri. Hop 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 hop. Tac. Tac tac tac. On vend tout, on verra. Et normalement là, si on fait terminer, on a gagné masse thune. Et là on est pas mal. Donc là, on ressort. Et il faut que je retrouve des pillards. Il y en avait à gauche, mais je me dis peut-être qu'il peut... Oh là là, comme ça devient très très sombre d'un coup. Je ne vois plus rien, c'est terrible. N'oublie pas ta quête dans la ville. Oui, mais c'est dans 4 jours. Il est censé m'envoyer un message normalement. Je dis pas de bêtises. 5 jours, toi là, il y a 3 jours, donc c'est dans un jour normalement. Dans un jour, il va m'appeler. Donc c'est bon, on est large. Large, large, large. Alors là, j'ai gagné un trait. Je sais pas, je vois pas trop. Ah, des pillards. Ouh, ils sont 12. Ouh, il va y avoir de la stratégie là. Oh, il y avait un mec avec une quête là. Attendez, on va aller poursuivre. Ok. Allez, on va les défoncer. C'est un peu au même endroit en plus, c'est ça qui est rigolo. Oui, mais 4 jours in-game 1. Oui, bah oui, non mais je me doute. Alors, ils sont mes archers, j'ai plus d'archers. Ah si, ils sont là. J'ai eu peur. Et du coup, il y a moyen de donner déjà des ordres ou pas? Regardez dans cette direction, mur de bouclier, ligne. Là, ils sont tous un peu en mode ligne, quoi. Bon, écoute, on va tester comme ça. Infantry! Soldiers! Off the horse, hear me! On your feet, footmen! On your horses! Footmen, hear me! Get mounted! Warriors! Bizarre, ils veulent plus y aller. Stick to me! Infantry! Face that way! J'appuie sur toutes les touches. On est de nuit en plus. Ok, là-bas je les vois là. Attendez, mais je peux le... Normalement j'ai... ça là. Non, j'ai pas une... Ah voilà, si j'ai...
Ouais, mais je suis toujours aussi mauvais, hein. Ça change pas, hein. Mais j'ai même plus d'épée. Oh là là, j'ai pris cher. Oh, j'ai pris cher. Attends, mais tous mes hommes sont morts là? Pourquoi y a pas tous mes hommes qui sont partis là à l'assaut? Oh là là, c'est terrible. Attendez, on va descendre de la monture. Descends, descends. Ok. Battez-vous! Battez-vous, mes hommes! J'ai rien compris à cette bataille, ça n'a aucun sens. Je suis à terre. Bon, je suis pas mort, je suis juste à terre, non? T'arrêtes pas de dire à tes hommes de monter à cheval. Ah merde! Ah là, c'était une sacrée défaite là. Bon, au moins on est emprisonné en plus. C'est le plus important. Mais du coup, moi je suis mort, non? Non, ça va, je suis pas mort. Ouf, on a encore eu de la chance. Est-ce qu'il n'y a pas un stuff un peu meilleur là? Non. Salut Chamolo, comment ça va? Yo Tonou, comment ça va? Putain, on a tout perdu là. Faut que je reprenne des troupes. On va aller au château là. On va aller au château reprendre des troupes. Pour l'une des quêtes, ça va venir compliqué. Ouais, bah celle où je dois combattre. Faut que je récupère rapidement de. Vous êtes à l'extérieur du château, vous n'avez pas l'autorisation d'entrer. Bon bah je pars alors. On va retourner se reposer dans le village. Salut Sigérion, comment ça va? Alors on va recruter des troupes, parce que du coup on en a perdu pas mal. Ah, on peut recruter que ça, terrible. Ok. Entrer dans la forge. Dehors! Tu sais Elro, on ne te prend pas pour un con, hein, mais pour bien pire que ça. De quoi? Mais non, mais faut arrêter. Je suis en découverte, moi. Non, c'est pas la forge que je voulais, en fait, c'était le commerce. C'est le commerce. Je vais revendre des trucs. Je vais revendre des trucs comme ça et je vais racheter des céréales. Pour, au cas où. En vrai, j'étais à deux doigts de perdre. Hein. Ça aurait pu être très chaud. Oh, de la viande. En vrai, de la viande, ça peut être pas mal. Mais nous, on adore les céréales. Nous. On est plutôt céréales chez nous. Et on va acheter peut-être une arme un peu meilleure, non? Bon après-midi, je retourne buller sur la petite terrasse. Oh là là, il se met bien, petit Totor. Hein. Vas-y, envoie une petite photo là. Totor sur Insta là. Il se met bien. Mais la stratégie, tu connais normalement à force de jouer à BFM. Mais oui, mais là, je comprends pas encore les touches en fait, c'est ça. Je prends pas le temps de comprendre bien les touches. Je pense que c'est surtout ça. Vas-y, on va améliorer. On va améliorer, comme ça on aura. On aura du mieux, quoi. On aura du mieux. On va repartir de cet endroit. Bon, j'étais bien, mais du coup, c'est quand que je peux retourner voir l'autre, là? Normalement, il m'envoie un message. Ah, mais lui, il a une quête. Attendez, on va le... Comment c'est quoi, ça, du coup? That's close enough. Who are you? N'avancez plus, qui êtes-vous? Je suis machin truc. C'est un plaisir de vous rencontrer. Qu'est-ce que la folie des nains? On m'a dit que vous avez besoin d'aide. Partir en campagne cette saison a été encore plus désastreux pour les hommes, pour les chevaux que pour les hommes. Les animaux meurent d'épuisement les uns après les autres alors que mes soldats combattent vaillamment. Si jamais nous ne récupérons pas de nouvelles montures, l'ennemi nous encerclera sous peu. Ok, de quoi vous avez besoin monseigneur? Bah, j'imagine de chevaux. Il me faut plus de chevaux pour être précis, il m'en faut 3. Et des palefrois, des bastères. Parce que nous savons comment exploiter leur potentiel. Amenez-moi les... Et je vous empocherai 1580. En vrai, let's go, mais ça a l'air compliqué à trouver, non? Un de nos compagnons doués en chevaux et un marchand serait idéal pour cette tâche. Les chevaux ne devraient pas coûter plus de 700. Oh, mais c'est pas rentable du tout. C'est pas du tout rentable si je dois en acheter 3.
J'aurais besoin également d'un peu de câble. Ouais, c'est mort. Mes excuses, mais je peux pas le faire. Je suis désolé. Adieu, adieu, adieu. Wow. Non, mais il est fou, lui. Il a cru que je pouvais me permettre de perdre de l'argent. C'est fou. C'est faux, c'est faux. Attends. Je vais déjà lui envoyer les 4 pillards avant que je les perde. Tac. Ok, donc là, je vais en envoyer 4. Il en faut encore 6. On va partir de cet endroit. Les chevaux peuvent coûter cher. Ouais, non, c'est pour ça. Je vais pas me prendre la tête à faire ça, quoi. J'ai gagné un trade honnête. Donc, j'ai regagné mon trade honnête. Et ça, c'est cool. Ça, c'est depuis que j'ai fait les quêtes. Ah, la bande de rival a été mise à jour. Donc là, c'est parti. On va aller faire ça. On va aller rejoindre notre cher... Le combat peut-il commencer? Mes blessures sont encore fraîches. J'ai besoin de temps pour récupérer. Nous devons attaquer avant que la bande rivale en entende parler de notre plan. Vous ferez bien de vous dépêcher. Ah ouais. Mais du coup là, faut que je me repose. Comment je fais pour me reposer? T'es absolument pas prêt. Et je fais comment pour être prêt? C'est, comment on fait pour gagner déjà des points de vie comme ça? Attendre un moment ici. Ah mais du coup, la quête, elle va être terminée en fait. Il va pas être content. Aïe aïe. Il a dit avant l'aube. En fait j'aurais pas dû combattre. Parce que du coup là c'est sûr la quête elle est fichue. Bon, on va croiser les doigts mais du coup je pense que ça va être terminado la quête. C'est long de récupérer de la vie en vrai. Hein. Parce que là je suis à récupérer que 40% de ma vie. Il y a tellement de valeur en vrai. Bon, quand t'as tout compris je pense que c'est très, très logique mais... Ok, quand même beaucoup de valeur. Ah, du coup, ouais. Vous avez demandé d'attendre quel jour? Il y a 2 jours. Il y a 2 jours, il m'a demandé. Ah, il me reste 1 jour restant. Regardez. Temps restant, 1 jour. Vous échouerez si votre quête ne se lance pas. Aïe, aïe, aïe. Ok, stop. Stop. Arrêtez d'attendre. Vas-y, on tente. Mais je joue safe. Je joue safe. Parce que. Hein? Parlez. Ravi. Cliquez pour continuer. Quoi? Pause. Bah. La bande rivale se rend... Parler. Ravi de vous avoir un devant tomber dans le feu. Attends la nuit, qu'il dit. Faut pas que j'aille... Attends. Ravi de vous avoir un devant tout de même attendre la nuit tombée. Ah, d'accord. Elle est tombée, elle va tomber. Elle arrive là, non? Sinon, je peux attendre ici un moment. Tac. Dès qu'il fait un peu nuit. 3, 2, 1. Il fait pas encore nuit. Là, il fait nuit. C'est bon, il fait nuit. Non, il fait toujours pas nuit. Là, il fait nuit. Ah, c'est bon. Je suis prêt. Finissons sans. C'est parti! René 7! René 7! Qu'est-ce qu'il y a? Il doit faire nuit. Ouais, j'ai compris, j'ai compris. J'ai pas de bouclier! Oh, j'ai plus mon bouclier. Oh, ça va être terrible. Par contre, mon écran, je vois rien du tout, c'est terrible. C'est vraiment une honte. Alors, c'est là la chèvre. Alors, comme ça, vous venez m'affronter. C'est Diokonos, le brise-droit, qui vous envoie. Écoutez, il y a nul besoin de nous battre. Cette ville est assez grande pour nous tous. Mais si jamais vous tentez de faire couler le sang, je serai ravi de vous entendre. De vous exécuter plutôt. Ce que je peux vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin de faire ça si vous nous rejoignez. Je vous paierai le double de ce que Diokonos, le brise-droit, vous a promis. J'ai donné ma parole à Diokonos, le brise-droit, et je refuse d'être soudoyé. Vous allez me payer une coquette somme dans ce cas, 1540 exactement, mais à ce prix j'accepte. Ouh. Qu'est-ce qu'on fait? On tente le combat? On reste... Après en vrai là si on change de camp, c'est-à-dire qu'on n'est pas honnête. Du coup c'est pas cool pour mon personnage. Toi. Moi je suis quelqu'un d'honnête donc on va pas... L'honneur ou la thune? Bah l'honneur quand même, l'honneur. Non rien, c'est juste que ça fait un moment que j'ai pas vu venir sur le live. Bah écoute ça fait plaisir ED7. Allez, j'ai donné ma parole. Vous le regretterez. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Wow, le combat de zinzin.
On les massacre en fait. Et t'imagines, j'aurais été dans l'autre camp, mais on aurait perdu de ouf. Parce que t'as vu le nombre de monde. Yeah, les ennemis s'enfuient, vous avez gagné la bataille. Il y a personne qui s'enfuit, hein. Tout le monde est mort. Hein. Je préfère le souligner, mais tout le monde est mort. Hein. Ok. Petite victoire encore. Bravo. Des GG dans le chat. Ah, ça faisait longtemps que je n'ai pas eu un combat aussi sympathique. Tenez, prenez sa bourse, vous l'avez bien mérité. 770 pièces, et c'est nickel. Vos relations avec Xena, la chef, a décru de 5. Elle est morte, non? Comment ça, décru? A augmenté de 6 pour atteindre 3. Voilà. J'ai atteint un truc de ouf. Se rendre au donjon, c'est quoi ça? Payer un pot de vin pour entrer dans le donjon. Les gardes affirment qu'il ne peut pas... C'est quoi ça? Heureusement que le mec t'a payé pour que tu restes à l'arrière la majeure partie du combat. Arrête, je suis allé sur le côté. Ne paye pas. Ok, je paye pas. Bon, attends, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. J'ai fait ce que j'ai pu. Non, là, en vrai, je suis content, hein. Cet épisode-là, on en fait des choses très intéressantes, on meurt pas. Bon, on est mort, enfin, on est semi-mort, c'est-à-dire que on a quand même... Ah oui, c'est vrai que j'ai encore une quête, attendez. Faut que je trouve des travailleurs. Donc faut que je trouve encore... Non, c'est ça. Je trouve encore prisonniers livrés, donc faut que j'en livre encore, ouais, 5. Bah écoute, on va trouver encore des petits prisonniers à trouver. On va voir s'il n'y a pas une quête ici à faire. En gros, pour la quête, si tu trahis, c'est bien mieux payé, mais c'est plus dur. Oui. Oui, je comprends. Mais du coup, ça m'intéressait pas. Oui, oui. Est-ce que vous avez... Oui, il y a beaucoup à faire dans le village. Nous sommes à court de matériaux dans notre forgeron, a besoin de pour fabriquer des outils. Pouvez-vous nous en procurer? Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez besoin? Nous avons besoin de 4 cargaisons de fer brut dans 30 jours. Nous avons quelques toits à réparer avant l'arrivée des prochaines grosses tempêtes. Je peux vous proposer 830. Donc 4 cargaisons de fer brut. Ok, on va faire ça. 4 cargaisons de fer brut. On va aller faire ça. Allez, cours, on retourne en ville, on regarde s'il y en a. Et on achète ça, et on lui rend. Alors, quête cargaison, c'est où? Cargaison, minerai de fer. Est-ce que c'est ça? Je pense pas. Hein. Je pense pas que ça soit du fer brut, c'est assez facile à obtenir. Ah, mais du fer brut, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas ici, non? À moins que ça soit du fer comme ça. Mais je pense pas. Ah, soie brut. Bois brut. Donc il n'y en a pas ici. On est d'accord. Donc c'est pas ici que j'en trouve. Ok, donc on va aller dans une autre ville. Ah, c'est peut-être ça du fer brut. Il y a des lingots là. Je reconnais, ça c'est du fer. Acheter des produits. Minerai d'argent. Ah non, c'est des minerais d'argent ici. Ça m'intéresse pas du coup. 30 jours. Faut que j'en trouve. Où je pourrais en trouver? Château. Là, il n'y en a pas. Ah. On va essayer d'aller là-bas, non? Ou tu en as une autre astuce, c'est de fondre des armes. Ah ouais? Bon, c'est pas, on va aller là. Hein. Ça a l'air d'être une ville ici. Commerce. Est-ce qu'il y en a ici? Question existentielle, minerai de fer, minerai d'argent. Il n'y a pas l'air d'en avoir, mais il te faut du bois pour faire du charbon. Ah ouais. Mais le bois, je peux peut-être en acheter, non? Outils. Ah, il n'y en a pas, hein. Ça ne s'achète pas comme ça, j'ai l'impression. Hein. Bah écoutez, on va. Et tu me dis que dans la forge. Fer forgé, fer brut. Ah, c'est ça qu'il me faut. Mais le truc, c'est que j'ai quasiment pas d'épée, non? J'ai celle-là. Lame d'épée simple. Bon, pour l'instant, je sais pas. Dans les filtres au milieu de ton écran, quand tu es dans le menu du marché, clique sur le tonneau au milieu, ça affiche tous les marchandises comme les outils minerais. Ok. Attends, je vais tester. Tu m'as dit au milieu que je vais dans... Ouais, les armes de corps à corps, armure, monture, sel, divers.
Donc effectivement, ouais, divers. Ok, ok, oh là là, mais... Heureusement que j'ai mon chat avec moi, hein. Heureusement qu'il y a Totor et Darkia, parce que sinon... Oh là, sauvegarde encore, qu'est-ce que j'ai vu? Oh non, j'ai cru faire des bêtises. Regarde dans le menu fondre. Bah attends, faut que je revienne du coup là. Donc tu m'as dit, entrer dans la forge, dans l'onglet menu fondre. Fondre. Donc là j'ai des hachettes. Ah, pas bête. Il en faut combien? Là si je fais ça, imaginons je prends tout. Là je fais ça. Et du coup il faut un charbon. Et comment on obtient du charbon? D'accord, je comprends pas. Là je les ai verrouillés, d'accord. Alors attendez, on va acheter du charbon. Commerce. Tac. J'imagine que le charbon ça s'achète quand même ici. Même pas. Charbon, il n'y a même pas de charbon ici. Non, on achète du bois. Du bois. Est-ce qu'ils vendent du bois ici? Bois, 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 bois. Cuir, porc, fourrure. Il faut produire le charbon. Mais il faut tout faire, c'est terrible. Il n'y a même pas de bois ici. Ils vendent pas de bois. Je vais te les tester. Comment ça se fait qu'ils vendent pas de bois? Eh ben écoute, je sais pas où on va trouver le bois, mais... Donc là, il faut trouver du bois pour vendre, pour machin... Oh, ça a l'air compliqué, hein. Ça a l'air compliqué, cette histoire. Il n'y a pas une grande ville un peu plus loin. Je trouve des brigands aussi, hein. Faut qu'on pense à récupérer des petits brigands. Parce que là, ils sont 8. On aurait pu tenter, on aurait pu tenter. Attendez, on va aller dans une autre, dans une grande ville. What? Pourquoi il a fait un retour arrière? Oula, ils sont 14, c'est chaud. Il faut vraiment du fer brut ou du minerai de fer? C'était marqué fer brut, hein. Un propriétaire a besoin de travailleurs. Et il reste que 9 jours? Non, pour les travailleurs. Jamais je les aurai. Ah non, lui, il lui reste 26 jours. Et il faut du fer brut, il en faut 4. Donc j'en aurais même pas assez, en fait. Si on regarde bien. Donc c'est clairement la crise. À moins que je trouve du fer brut à acheter, mais... Mais votre bois, vous le trouvez où, votre bois? C'est terrible. D'ailleurs, quand tu vois un petit casque orange sur les villes, c'est qu'il y a un tournoi. N'hésite pas à les faire, ça t'apporte des thunes si t'y arrives. Oui, c'est vrai que les tournois, c'est pas mal. Se rendre à l'arène. Vas-y, on va faire un petit coup d'arène. Classement. Entrer dans l'arène. Vas-y, on va faire un petit coup d'arène. Ah elle est marrante cette arène du coup. Oh bah oui. Oh mais pourquoi il bouge? Hé hey, je t'ai touché. Tu m'as raté. Quoi? Non mais d'où je l'ai pas touché? Fuck. Quand même. Bon, ils sont les prochains. Ah, je pensais que ça allait redescendre. Je l'ai détruit. Ouf. Ah, je l'ai pas tué du coup. Bon, ça va, là j'ai tué. C'est bien l'arbalète en vrai. Bon, je suis pas encore un expert, mais je suis pas encore Legolas quoi. Ouais, je suis pas du tout Legolas en fait. Là, je trouve que le maniement des armes est compliqué. Hein. Et là, il va me piquer le kill. Non, ça va. J'ai tiré direct pour éviter que... Et j'ai quand même déjà gagné un tournoi. Hein. Oula. Ouf, ça a été chaud. Quoi? Quoi? Genre, ça, d'où ça va pas toucher? Oh, salaud. Voilà, ça s'est fait. Attendez, parce que du coup, il me faudrait des munitions, là. Pas moyen d'en récupérer? Oh, mais il a pas de munitions, c'est nul. Du coup, j'ai deux arbalètes. Reprendre quand même... Ah si, là, il y a des flèches. Si, là, j'ai repris 15 flèches.
Oui, en vrai, c'est juste un coup à prendre, bien sûr, bien sûr. Oh, le mec, il a fait me faire un 3-6. Attends, parce que du coup, il y en a deux, là. Ouf. C'est trop bien, l'arbalète. Oh, ça l'aurait touché. Oh, mais c'est dommage. Aïe! J'en tue encore deux. Ouf. Ouf. Je l'ai touché d'ici. Attends, mais il en reste plus qu'un là. Là, je vais réussir du premier coup. Allez, encore une flèche. Oui, victoire. Non mais, c'est fou, c'est fou. Je suis trop fort en fait. Vitesse en champion, on en reparlera encore de ce combat dans des années. Voulez-vous refaire un combat? Bien sûr, bien sûr. Et en vrai, prenez coup. Hein. Allez, on va essayer de faire mieux maintenant. J'aime beaucoup l'arbalète en tout cas. Bon. Ou juste... Oh, genre. What? Ce qu'il a tué? Oh, je l'ai touché d'ici, incroyable. Je l'ai touché d'ici. C'est trop bien ça, one shot dans la tête. Quoi? Ça l'a pas touché? C'est une honte. C'est drôle parce que l'autre il est passé à côté de moi et c'est... Mais... Je suis vraiment le pire. Oh genre. Ouf. Ça va, il m'a... Oh le combat. Ok, bon, un peu compliqué. Aïe. Arrêtez, arrêtez. Non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Je suis pas fait pour me battre au corps à corps, pas encore. Je suis avec mon arbalète, laissez-moi. Il déterre le mec là-bas, il essaie de me viser là. Bon, j'ai touché. Quoi, je l'ai pas touché? Genre mon truc il était vraiment dessus quoi. Ah oui, là je l'ai touché quand même. Oh, j'ai touché dessus! Mais Elro, on ne recule pas devant un lancier. C'est vrai. My bad. Ouh, il a failli m'avoir l'autre. Attends, on va prendre une lance. Et on va... pas récupérer un bouclier. C'est un peu le bouclier, c'est un peu la vie quoi. Ah mais du coup il me faut une arme dans l'autre. Et bah voilà. Oh là là, mais c'est fou. Deuxième victoire d'affilée. Que demande le peuple? Allez, une troisième, jamais 203. Ah du coup là il me donne pas d'arbalète. C'est une honte. Ils me veulent plus de challenge en fait. Mon bouclier, personne ne peut me tester. Je suis bien meilleur. 500 pièces quand même. Et franchement, là, si je regagne encore... Quoi? Non, parce que l'autre, il est super vénère, là. Attendez... Maîtrise, c'est vénère. Hein. Il m'aura pas, il m'aura pas. Voilà, ça c'est fait. Du coup, il m'a pas donné son arbalète, c'est terrible. Ouh là là. Aïe.
Ok. Attends, année restante, 19? Comment ça, 19? Fuck. Ok, là j'ai une meilleure épée. Ouais, le jeu pense que tu prends trop la confiance. Ah, donc là, en gros, la difficulté augmente. Ok, donc là, il y a un lancier. Là, il va aller là-bas. Je tape sur le côté, là. Ah là. On va se cacher derrière le caillou. Hihihi. Oh là là, il y a du monde là. Il va se faire taper par dessus. Ah, les IA perdus. Ouf. Ah, j'ai plus de bouclier par contre. Oh non. C'est terrible. Miséricorde. Bon allez, hop. C'est sympa. Ça a nourri mon armée pendant quelques jours. Mais ça me dit toujours pas comment acheter du bois. Hein. On m'a toujours pas dit comment acheter du bois. Hein. C'est une honte. Vous voulez pas me dire comment avoir du bois? Tout tort là. Et madame, on va lui parler. Je m'appelle Lucy Balda, vive d'argent. Oui, comme vous avez certainement, c'est un travail difficile. J'ai perdu plein de gars ces derniers temps. Et trouver des remplaçants, ce n'est autre chose de pas non plus facile. J'ai besoin d'hommes. Je trouverai des recrues. Bon, pas tout de suite, mais je trouverai des recrues. Au marché? Achète-toi une arbalète. Ah, j'avoue, ça peut être pas bête, ça. Attendez, on va retourner là où on devait faire les trucs. Il y a beaucoup trop de billards, là. Ah, là, il y a une arène. Pour rendre à l'arène. Regardez le tournoi. Rejoindre le tournoi. Rejoindre. Oh, vas-y, on teste. Regardez-moi, je passe les manches, partir. Quoi? Passe les manches. Rejoindre. Oula! Il y a du bois dans les villages avec l'icône bois. D'accord, ok. Merci. Oula. Ça a l'air compliqué ce combat là. Oh, j'ai pas ma lance. Prends la lance là. Bon, c'est bon, je l'ai bugué dans l'arbre. Oula. Je te préviens, les mecs que tu affrontes avec ont leur armure de bataille. Ok. Donc faut que je joue safe. Pour l'instant, là, l'objectif, c'est gagner du temps. Ouïe, c'est mal. Il est dur à faire, lui. J'arrive à le coincer dans l'arbre. Il a pas l'air d'avoir envie. Ok, là j'ai eu pas mal d'infligés. Oh là, j'ai infligé pas mal de dégâts. Hein.
Non mais c'est pas possible, il prend pas de dégâts. Mais prends ton bouclier. Mais comment je fais pour prendre le bouclier? Ah d'accord. C'est bon. J'ai ma réponse. Le combat de titan quoi, c'est terrible. Je préfère le faire bugger dans un coin. Ça marche mieux. Ça sert à rien de la lance en combat rapproché. Oui, bah j'ai cru comprendre. Vas-y, on tente l'épée. Bah voilà, c'est bon. Waouh, putain, compliqué hein. Manche suivante, tac tac tac, passer la manche, rejoindre. Récompense, javelot, mise, parier, prévision. Ah, on peut parier aussi? Si on fait parier, ça fait quoi? On gagne plus d'argent? Vous pouviez parier pour améliorer la récompense obtenue. Chaque manche, l'échange pour obtenir, vous pourrez miser 150 à chaque fois. Si vous misez 100 et gagnez, vous obtiendrez 300. Tu gagnes plus d'argent. Bah vas-y, hein, moi je suis un joueur. Vas-y, hop. Rejoindre. C'est parti. Donc là, c'est un 4 contre 4. What? Oh, sérieux. Attendez, on va focus l'archer. Oh mais j'arrive pas. J'ai l'impression que ça marche pas là. Je peux pas viser. Il se passe rien. Il se passe rien, genre c'est bugué. Mon arbalète elle veut pas. Oh là là, mais je vais perdre ce combat là, c'est sûr. Je vois mal comment je peux gagner. Mais l'arbalète ne fonctionne pas, c'est un truc de ouf. Elle veut pas, elle veut rien faire. Mais je bouge même pas. J'ai même pas bougé. Non mais là je suis foutu. Il y a le mec derrière moi. Faut que je récupère un bouclier. Non, je peux pas le récupérer. Ouais bah non, mais c'était impossible hein. C'est de la merde, l'arbalète. Je m'en bats l'arbalète, j'ai joué comme tout à l'heure et elle a pas voulu marcher une seule fois. Bon bah partir. Hein. Oh non, je suis deg. Bon, c'est pas grave. Du coup, il faut du bois. Du coup, on obtient le bois. Là, c'est du bois, non? Ça a l'air d'être du bois, hein. Tout à l'heure, t'avais une arbalète légère. Ah, c'était pas la meilleure arbalète. Bah, je l'aime pas du tout celle-là. J'aime pas du tout cette arbalète-là. Bon, le bois, c'est 3 rondins. Ok, ok. Chargé! Bon, ils sont où là? C'est bon, je les vois. Bon bah c'était rapide hein. Victoire facile en fait. On les a détruits. J'ai servi à rien, hein. J'ai mis une lance. Au moins on a un pillard supplémentaire. C'est ça qu'on veut. Hop hop hop. Attends, tu m'as dit que c'était les trois rondins. Y'a pas trois rondins dans le coin. Et il y a un rondin. Un rondin, c'est bon, non? Pas plus au nord. Plus au nord, tu penses? Oui. Ah, trois rondins. Un rondin, ça va. Donc effectivement, il y en a un là.
Ça fait peut-être un peu loin, non? Pas un plus près? J'aime bien les terres du sud. Bon, je vais aller là. Ah, oh, mais... Pourquoi il retourne là-bas? Moi, je veux juste qu'il... D'accord. Oui... Oui, il y a du passage hein, par ici. Hein. C'est fou le chemin qu'on a parcouru. Oui, en vrai, on a parcouru énormément de chemin. On a récupéré juste un brigand, mais... Du coup, il y a sûrement des quêtes que je vais rater. Parce qu'il avait besoin de travailleurs, et du coup... Je lui en ai livré 4. Il reste que 7 jours. Ça va être compliqué, hein. Mais bon, là, je retourne près de chez lui, donc ça va. Oh! Vas-y, on tente. 12 contre 12, là, ça va être chaud. Et aucune capture par les bandits. Donc là, peut-être qu'on aura la première capture par les bandits. Cut them down. Donc là, on va jouer intelligemment. C'est des bandits costauds, ceux-là ? Et bah voilà. Mais que un prisonnier, c'est fou ça. C'est une honte. Wow, ils avaient tellement de choses. Tu sais. Attendez, on devait aller là. On les a détruits. On va acheter du produit. Attends, on va leur acheter du bois. Tac. Ensuite, je vais aller dans mon inventaire. Et me mettre ça. Ça a l'air pas mal. Ensuite. C'est vrai que j'ai même pas de truc sur la tête. C'est intéressant quand même de remettre. J'en avais même pas MDR, vous l'avez même pas dit. Ça c'est quoi? Oh, ça a l'air pas mal. Jabelot de fêlé. Bah vas-y, hein, équiper. Ah, ça me l'a équipé à la place du bouclier. Non, c'est bon. Fourche. Ça c'est moins bien, ça c'est pas mal. Bon bah moi je vais bientôt vous laisser, je pense. On va juste vendre le stuff. Acheter des produits. Attends, on va vendre. Mais équipe-toi un peu. Bah là, c'est bon, là, je me suis équipé. Tout ça, je peux vendre. Ah bah non, je vais les garder pour les fondre. Donc, pantalon court. Normalement, c'est bon. Là, je suis bien. Je vais juste... qu'est-ce que je vais faire? Je voulais aller dans une ville maintenant. Donc là, on a acheté du bois. Donc comment on fait du charbon maintenant? On va aller dans la ville ici. Tac. Entrer dans la forge. Fondre. Mais du coup, je ne peux pas parce que j'ai pas de charbon. Charbon de bois. Ah oui, ça s'achète en ville. Normalement. Commerce. Tac. Je crois que j'en avais vu. Non, il n'y en a même pas ici. Raffiné. Je crois que j'ai dans raffiné. Forge. Raffiné. Ah. Il faut 2 morceaux pour faire. Oh ouais, c'est super énorme. Tac. Et du coup, là, normalement, je peux fondre. Et pieux. Ok, je comprends. Là, je vais fondre. Là, je vais fondre.
normalement on est pas mal. Mais du coup j'en ai que deux. Et il m'en faut plus. Parce que si on regarde la quête, le monsieur il a dit qu'il en fallait 4. Donc il m'en manque 2. Ça va me coûter cher tout ça en vrai. Il me reste que 6 jours. Oh là là. Faut que je retourne acheter du bois. Il y a tellement de brigands. Ça fait peur cette région. Tac. 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 Je fais juste ça, comme ça je me souviendrai quand même, parce que si j'oublie de faire... Merde, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais entrer dans la forge, faire raffiner, obtenir deux de ça, fondre. Ça me rapporte autant. Me rapporte 5. Mais ça c'est une arme que j'ai, non? Bah. Je dirais que c'est bien. Attends, là je fonds un truc et je récupère plus de bois, ça n'a aucun sens. Ok, on dirait que c'est bien. Et du coup là, objectif c'est d'aller là. Je retourne dans le petit village, je sais t'es où. Où, dans quel petit village? Je crois que c'était là. Hein. On n'est pas trop loin, ça va. C'est un peu. Allez, plus vite. Eh ben écoutez, on va terminer la vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu. On aura un petit peu avancé dans cette quête, on aura réussi à récupérer pas mal de trésoreries pour nos futures aventures sur le jeu. Je vous dis à bientôt, on va aller juste rendre le petit fer au gentil monsieur, et on aura terminé la quête. On partira pour de nouvelles aventures la prochaine fois. En tout cas, merci d'avoir suivi. Oui, je le disais avec moi. Comment ça? Vous n'avez pas assez de fer brut? Ah d'accord, j'ai toujours pas ce qu'il me faut. Bah écoutez, on fera la prochaine fois. Allez, au revoir et abonnez-vous.